Jeff, donc je suis stagiaire assistant social. Depuis quand? En troisième année, à l'UFC de Versailles, donc je fais mon stage ici à la PF SAMSA. Et j'ai fait une partie aussi de mon stage à la délégation. Donc tu as commencé quand avec la PF? Et qu'est-ce qui était le premier de la PF ou la SAMSA? Moi, j'ai commencé le stage avec toute l'institution, la PF et le SAMSA. J'ai commencé le stage à la PF délégation au mois de décembre. Mm-hmm. Et donc là, j'ai fini mon stage là dans 2 jours au SAMSA et je retourne dans ma formation à l'UFC à Versailles. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour le choix de l'APF? Particulièrement, il n'y a pas de raison particulière. Bon, en même temps, les raisons, je les ai maintenant trouvées ici. C'est intéressant de faire un stage à l'APF. La structure, elle est très importante parce qu'il faut qu'il y ait des structures comme ça où on s'occupe des personnes dans toute l'humanité et au-delà des... Oui, donc voilà, on s'occupe des personnes, surtout des personnes en situation de handicap qui sont quelque part dans la société mis un tout petit peu à l'écart. Et lorsque j'ai vu la structure et la façon dont les personnels s'occupent de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, ça m'a beaucoup interpellé et je pense que c'est des structures comme ça qui... Ces structures ont intérêt d'être connues par le grand public. Est-ce que tu as participé à beaucoup d'ateliers à l'APF, non? J'ai participé au repas Noël. De Noël de l'APF, mm-hmm. Délégation. Après, bon, de temps en temps, je suis passé à l'atelier le lundi. Mm-hmm. Et voilà, donc je ne sais pas comment énumérer des choses comme ça. Oui. Est-ce que tu as quelque chose de particulier à dire aussi par rapport à ton stage au sein de la SAMSA? Des remarques, des impressions? Je n'ai pas quelque chose de particulier. Oui, il y a des choses très particulières à dire. Par exemple, je trouve que j'apprécie l'état d'esprit du personnel. Mmh. Ouais, j'apprécie l'état d'esprit du personnel et je trouve qu'il y a beaucoup d'humanité. Après, lorsqu'on dit humanité, on dit qu'il y a imperfection. Donc, les gens ne sont pas parfaits, mais les gens tendent à faire le meilleur d'eux et le meilleur d'eux-mêmes. Et ça c'est ce qui est bien. D'accord. Donc, tu es satisfait de ton stage? Ok. Lorsqu'on va à la rencontre des gens et qu'on fait toujours attention à là où on va, on peut toujours être satisfait d'une certaine façon. Mmh. Rencontrer quelqu'un, c'est toujours un moment de satisfaction. Après, comment je vais partir, mais on part jamais. On ne part jamais de quelque part. Ça veut dire que même lorsqu'on part, physiquement, on est toujours là dans l'esprit et on peut toujours retourner et revenir. Donc, je vais partir là en tant que stagiaire, mais je pense que je passerai peut-être pour d'autres circonstances.